Depuis 2 ans, une dizaine de SDF se sont installés sur un campement à Saint-Martin-du-Touche après leur expulsion de l'île du Ramier. Certaines voix, comme celle de l'ancien maire de quartier, s'élèvent actuellement pour demander leur relogement. Je souhaiterais vraiment qu'il y ait une mobilisation des acteurs sociaux pour leur trouver, au cas par cas, et je sais que ce n'est pas simple, mais leur trouver un logement pérenne. Les Don Quichotte ont fait circuler une pétition et s'insurgent contre la situation de 2 d'entre eux, installés quelque temps avant les autres sur le terrain et ayant des problèmes de santé. Au dire des autres personnes du campement, ces 2 SDF se seraient peu à peu exclus du groupe en ne respectant pas certains engagements signés comme une petite participation financière à l'électricité. L'une de ces 2 personnes va prochainement être relogée. Pour les autres, le campement n'est pas une si mauvaise alternative. On est mieux là que là où on était avant. Quoi. Parce qu'on a l'électricité et l'eau à proximité. Moi, ce que je pense, si je dois bouger de là, c'est pour avoir meilleur. C'est pas pour avoir pire. Pas pour me retrouver dans un studio avec 2 gros chiens. Une association qui a signé une convention avec l'État concernant ce projet les accompagne au quotidien. Soit le camion, la caravane, sont pour eux un véritable logement. C'est leur choix. Donc, nous, on les accompagne avec les services de l'État pour améliorer donc leurs conditions de vie, justement améliorer l'accès à l'hygiène et l'aménagement du terrain. Prochaines étapes, l'amélioration de la salle commune et la mise en place de 2 douches.